l'ambulance. Ils lui font le coup de l'aéroport. T'as vu comme ça l'amuse, Linka? Il rigole comme une porte condamnée. Qu'est-ce que c'est que cette herbe que tu mets autour de mes bégonias? Tu veux me retirer ça tout de suite, s'il te plaît? Tu vois pas que c'est de la fanée, Sweetie? C'est immonde! C'est pas immonde, c'est indispensable. Le mulch, ça protège les fleurs de la chaleur. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie encore? Pas une idiotie, madame, c'est la vérité. C'est la princesse Trussie qui m'a filé le tuyau. La quoi? Ce garçon me surprendra toujours. Voilà qu'il fréquente des princesses maintenant et nous n'en savions rien. C'est pas une fréquentation, c'est un bouquin. Oh, Hannibal, mais qu'est-ce que tu fais, enfant? Mais Hannibal, arrête! Mais ne mange pas ça, voyons, c'est dégoûtant! T'es pas un lapin! C'est pas un lapin, c'est un frimeur! Rien qu'à ça, le petit con! Edgar! Tu ne perds rien pour attendre, toi! Ton fils est insupportable! Insupportable, tu m'entends? Au lieu de t'extasier devant sa passion des fleurs, tu ferais mieux de t'inquiéter! Ce garçon finira mal! T'aurais pas dû le traiter de petit con. Le mot mieux se mettre de ton côté. Écoute, regarde. Regarde, c'est facile, tu vas voir. Papa. Maman. Ça, c'est maman. Eh oh, coucou. La galère. T'es pas sortie de l'auberge, ma vieille. Je te donne pas 8 jours à la maison de repos. Bonjour. Je vous remercie d'être venu si vite. Non, je sais pas ce qu'il a. Il m'a encore fait une poussée de fièvre cette nuit. C'est toujours comme ça quand on le contrarie avec ses plantes. Ici. Ouais, je sais. 38,5 hein, quand même. Respire. Allô? Coup de froid. Je vous rejoins dans le salon. Le temps de faire une ordonnance et j'arrive. Ah bon? Je vous remercie. Merci. Je vous attends en bas. Merci. Alors, hein. Oui, d'accord. T'es pas plus malade que moi. Comment t'as fait avec le thermomètre? La lampe. Évidemment. Bon, je vais te donner le traitement habituel. Une bouture de fuchsia. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Vous savez, pour le bégonia que vous m'avez apporté la fois dernière, je l'ai mis dans l'angle de la véranda. Il se plaît bien, hein? Le prochain coup, t'attends un peu pour la rechute, hein? Parce que les graines de pistachier, il y a des délais. Et votre bassin, il est fini? J'ai fait pousser des jacinthes d'eau, un lotus et un nymphéa. Je pourrais venir voir? Faudrait que tu guérisses. L'ennui avec ce bassin, c'est que l'eau stagnante attire les moustiques. Oh! Attends, tu vas rire. J'ai acheté des poissons spéciaux. Ils sont moches, mais ils bouffent les moustiques. Sauf qu'ils sont tellement voraces qu'ils les ont tous bouffés. Et alors? Tu connais ma femme? Ah oui. En cachette, j'ai élevé des larves de moustiques. Et avec ton petit frère, ça va? Très, très bien. C'est pas mon petit frère, Linka. Et puis votre prochaine visite, ça sera pour la mademoiselle Ménard. Hein. Parce qu'elle devient chef avec l'autre qui baragouine rien. Il ne parle pas espagnol? Même pas. C'est marqué, ça c'est plutôt bien. Vu que mon prof, il s'est tiré à cause qu'il servait plus à rien. Alors... Tu vois, il n'a pas que des défauts, ton petit frère. Bon, je file. Je vais quand même donner l'ordonnance à ta mère, mais c'est pour la forme, hein. N'avale pas ces saloperies. Oui, très bien. Je vais te mettre mon chaussette. Alors, c'est
Voilà, chaussette. Chaussette. Encore, répète. Chaussette. Oh là là, une petite mèche. Oh, écoute, Loli, vraiment, il est mignon. Il est mignon. Je peux? Oui. Bonjour, Hannibal. Bonjour, mon petit lapin. Écoute-moi, c'est pétasse. Et que je te le pelote, et que je te le bécote, et que je te le caresse. Il se le refile comme un ballon de rugby. C'est plus un môme, hein. C'est une attraction de cette foraine. Sweetie ? Mais qu'est-ce que tu fabriques encore ? Tu viens, s'il te plaît, Sweetie ? Hé ? On va encore bouffer du sénage pendant toute la soirée. Ah, les acteurs, je te jure. Ménard qui va arriver, vite. Oh là 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 là, regardez-moi ça, il s'en est encore mis partout. Et qui c'est qui va nettoyer? Ben c'est elle, hein. Bon, et lui, il en est où, lui, hein? Mais il mange rien, hein. Ah ben la voilà, tiens. Ben, Sweetie, où tu vas? Tiens, j'en ai plein mes tiroirs. J'en consomme un max. Je le mets quand on me force à dîner avec les invités. Grâce à elle, j'entends pas leur connerie. N'aie pas peur, ça craint rien. C'est juste pour retarder tes emmerdes. Bon, les déceptions, quoi. Ce qui fait pleurer quand on commence à comprendre le langage des grands. Comme hier soir. Allez, fais pas le con, laisse-toi faire. Allez, laisse-toi faire. Et hop, ni vu ni connu. Ah, il est là, mon petit lapin. Alors, il va nous faire plein de petits progrès aujourd'hui. Il va apprendre qui est je, qui es-tu, qui est il. Allez, viens. Allez, viens, mon petit chat. Viens. Viens, voilà. Puis moi, oups. Je vais refermer la porte. Voilà. Allez, viens. Alors, leçon sur jeu. Et toi, ma vieille, tu n'es pas sortie de l'auberge. Il en faut de toutes les tailles. Je ne remettrai plus les pieds ici. Fini, j'en ai marre, j'en ai marre. Tiens. Jessica, viens dans mon bureau, immédiatement. Ça se gâte. Courage. Je savais que tu marchais à côté de tes pompes, mais j'ignorais que tu étais pervers. Pervers et criminel. Faire ça à un enfant de 5 ans. Un enfant sans défense. J'exige des explications, tu entends? Est-ce que tu te rends compte de la gravité de ton acte? Pourquoi tu t'en es pris à ton frère? D'accord. Tu ne veux pas parler? Alors, écoute-moi bien, mon petit vieux. Si tu ne fais pas amende honorable d'ici la fin de l'été, nous te mettrons en pension dès la rentrée prochaine. J'ai déjà pris une option. En attendant, je t'interdis d'approcher Hannibal. C'est bien compris? Maintenant, fiche le camp. Amende honorable. Ça veut dire quoi, amende honorable? Et comment je vais m'y prendre, moi? S'ils m'interdisent de l'approcher, ce chien de merde. Dis donc, où t'as encore foutu ma truelle, toi? Mais dans ma cabane. C'est pas que j'en brûle d'envie, hein. Mais faudrait savoir. Ça fait chier, hein. Puis si j'arrive pas à faire amende honorable,
Qu'est-ce que ça va devenir tout ça sans moi? Note bien que je te ferai confiance, Lucas. C'est pas ce que je veux dire. Mais dans le jardin, on n'est pas trop de deux. Hein. Alors, où elle est cette truelle? Bah, je suis pas là-dedans. Fasse encore virer de son collège l'année prochaine, parce que des conneries à la première occasion, il les loupera pas. Ça m'est égal. Jamais j'accepterai d'envoyer Soutien en pension, tu m'entends? Jamais! Mais c'est pourtant la seule solution, la seule. Je refuse de me coltiner cet énergumène une année de plus dans ces conditions. Il ira à Rouen.